m'inquiète considérablement. Le peuple s'agite, revendique, nous menace. Nous avons beau, nous l'élite, depuis des siècles, nous efforcer de leur faire comprendre que nous sommes les mieux placés pour les rendre heureux et créer enfin une société où régnera l'ordre, la paix, la justice, ils n'en font qu'à leur tête. Et pourtant, nous avons tout essayé, maître, n'est-ce pas, professeur? Pas tout, en fait. Mon cher président, seriez-vous en train de faire allusion à cette lamentable pandémie qui, en un an, a fait moins de victimes que les accidents de trottinette en Outre-Atlantique ou les fausses couches au Papican? J'adore votre humour, maître, mais je suggère qu'on permette au professeur de vous exposer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je vous écoute, professeur. Il faut tout d'abord comprendre. Comprendre. Enfin, j'aimerais rappeler que le but de cette pandémie n'est pas l'extermination massive de la population, mais sa soumission en vue de la vaccination. Rappelez-vous, maître, les différentes phases. Dispersion, mondialisation, soumission, vaccination, activation. Et enfin, masturbation. Mon cher président, je ne suis pas aveugle. Je constate que partout, des voix s'élèvent contre la vaccination obligatoire. Ils rejettent les masques. Ils sortent clandestinement. Ils se touchent. Ils vont s'immuniser collectivement. Ce sera le même fiasco qu'avec le H1N666. Oui, pourtant, nous avons réussi à séquestrer la population momentanément. On peut le refaire. Et puis, nous avons pratiquement détruit le tissu social. C'est ça, et vous allez me parler de la catastrophe économique, des millions de nouveaux sans emploi, des famines par-ci par-là. Mais je ne vois là-dedans rien de durable. Si je puis me faire mettre, maître. Vous pouvez. Nous disposons actuellement d'un supervirus qui se transmet de façon aérienne, aquatique et bucco-anal, avec un taux de mortalité supérieur à 95%. Nous l'avons baptisé Bimbola. Et qu'attendez-vous pour le lâcher? C'est que nous n'avons ni vaccin ni remède. Évidemment. Et n'aurions-nous pas une formule intermédiaire, moins radicale que Bimbola, mais pas une ridicule grippette? Nous avons expérimenté différentes voies. Grâce au président, nos centres de recherche dirigent en sous-main les centres de l'Organisation mondiale de la manipulation de la santé et des centres d'État européens et outre-Atlante, entre autres. Mais il reste un problème de ciblage. Précisez. Un virus létal, sans vaccin ni remède, frapperait aveuglément, y compris dans nos rangs. Et vous n'ignorez pas que nous avons quand même certains comptes à rendre à nos affidés. Bien sûr, bien sûr. Ainsi, nous sommes quelque peu dans la merde. Si je puis me faire maître. Temporairement, cher maître. C'est reculer pour mieux sauter. Mes amis, j'ai trop. Pas terrible cette pandémie, Herr Dr. Korf-Basil. C'est toujours le même problème, Herr Président. Les ciblages et les dosages. Mais quand je pense qu'à notre époque, on dispose de toutes les informations sur tout le monde, vos problèmes de ciblage me sidèrent. Avec nos banques de données, nos réseaux sociaux, nos intelligences artificielles, nos espions électroniques auxquels nul n'échappe jamais, cibler n'a jamais été aussi aisé. Il me semble que vous, biologiste, avez une guerre technologique de retard. Non mais vous voulez rire, professeur. Nous manipulons le vivant et nous le brevetons.
Les OGM, les clonages, ça, vous connaissez? Les vaccins qui manipulent l'ADN, c'était la crotte de pique peut-être? Bon, oui, messieurs, calmez-vous. Je me permets de vous faire remarquer, Herr Doctor, que dès que l'argent sera devenu entièrement virtuel, nous n'aurons plus besoin de tous ces artifices. Dès lors que nous pouvons priver quiconque de ses moyens de subsistance, plus besoin de les contaminer ou de les empoisonner. Ils crèveront juste de faim. Quel manque d'élégance! Messieurs, je vous en prie. Le maître a trouvé la formule imparable. Mais il vous faudra coopérer étroitement, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je crois qu'on y est enfin. Ah, c'est des pinces aussi, effectivement, Herr Professeur. C'est des similitudes entre un virus biologique et un virus informatique. Va grandement nous servir. Ainsi donc, une fois l'écran de notre cible infectée, grâce à la technologie 7G et l'intrication quantique, elle sera simultanément foudroyée et contaminée. Son ADN, définitivement modifié par un ARN messager qui agglutinera les nanoparticules adéquates dans un présent environnement. Et hops, voilà notre esclave. Ah, et cela reste à démontrer, Herr Professeur. Nous n'avons encore rien testé. Eh bien, allons-y. J'ai ici quelques algorithmes de ciblage. Préparons-nous donc quelques-uns de ces spécimens de virus bidouillés dont vous avez le secret. Évoque la galère. Ah, fuck la galère, hein, professeur. J'ai ici un super spécimen pour l'ayatostin. Celui-là, c'est pour l'oursi. Celui-là, ah, pour l'œil rapaïen. celui-ci, c'est pour Miss Rachel. Celui-là, c'est pour... Lis le pouce et l'index. Allongez la colonne vertébrale et fermez les paupières. L'honneur, Herr Professeur. Je vous en prie, je n'en ferai rien. Non, non, j'insiste. Messieurs, je vous redis, tenez-vous prêts! Ah oh! Ah ah oh! Messieurs, tenez-vous prêts! Messieurs, tenez-vous prêts! Messieurs, tenez-vous prêts! La vie nous attend.
La vie est là pour longtemps. La vie. Nous entamons ce journal par des images terrifiantes venues du monde entier. Une déferlante de crise d'hystérie, de panique et de désordre comme on n'en a encore jamais vu. Des images qui se passent de commentaires. Messieurs, tenez-vous prêts. Messieurs, tenez-vous prêts. Ouais. Messieurs, tenez-vous prêts. Président, j'aimerais vraiment tester Bimbola. Oui, patience, patience. On verra plus tard. Faut partager! Il est plus facile de partager l'avenir que le présent. Partage! 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 Messieurs, faut partager. Messieurs, faut partager. Messieurs, faut partager. Faut partager. Faut tout partager, hein. Même le pouvoir, hein.